Vivez la TT Pro Terre ou Peau avec Vini. Vini, partageons l'innovation. Yorana à tous, cela fait 2 ans qu'on attend ce rendez-vous, 2 ans que vous attendez ce grand rendez-vous. Alors aujourd'hui, c'est le début de la waiting période de la Tahiti Pro 2022. Le soleil ici à Tiopo est au rendez-vous. Par contre, les vagues n'y sont pas. Comme vous le voyez ici, je suis dans le spot. Le spot est désert. Alors en attendant, nous vous proposons un sujet consacré à la nouveauté ou plutôt au grand retour des femmes ici à Tiopo. Alors suivez-moi, je vous emmène. Du haut de ses 12 ans, la jeune Kiara Gold a déjà un rêve en tête, remporter une compétition sur ce spot mythique, ce spot qu'elle surfe depuis toute petite. Depuis 8 ans, je surfe ici. Et c'est quoi ton objectif? Est-ce que tu as un objectif en tête pour le fait de venir surfer à Terre ou Pro? Oui, d'avoir plein de surprises, peut-être de gagner. Dans l'ombre du surf masculin, ultra médiatisé depuis les années 90, les femmes, petit à petit, se font une place de choix. Elles sont 12 à être engagées dans le circuit féminin. Une seule Française, Joanne Defay, représentante tricolore durant les derniers Jeux Olympiques Tokyo 2020. C'est un endroit qui ressource parce qu'on est proche de la nature, on est dans l'eau, c'est magnifique. C'est tellement verdoyant aussi ici. Les gens vivent simplement, sont encore une fois proches de la nature et c'est quelque chose moi qui me parle. Donc j'espère que je vais pouvoir recharger les batteries à fond. Car la Française côtoie le plus haut niveau dès l'adolescence. Elle intègre le WCT en 2014 alors qu'elle n'a que 20 ans. 8 ans après, elle est en course pour un titre mondial. Avec l'expérience, elle ne laisse donc plus rien au hasard. J'ai amené 13 planches et ça va de 5-9 à 6-4. Voilà. 6-4 et 6-2 sont là, je ne les ai pas encore préparés. Pour l'instant, on n'a pas eu trop les conditions pour. Mais je pense que 6-0, 6-1, déjà, c'est pas mal. Avec Vahine Fierro, wildcard de cette édition 2022, la France aura donc 2 représentantes pour la Outer Known Tahiti Pro. 16 ans après, les femmes reviennent en force à Chops. Pendant ce temps, Michel Bourrez, surprise du chef, arrivé mercredi matin à Tahiti, se prépare pour la Outer Known Tahiti Pro suite au forfait du Hawaïen John Florence. Une année pas comme les autres pour le Spartan qui revient de blessure et ne fait plus partie du World Tour. Je me sens très bien parce que j'ai pas de pression du tout. Je suis plus sur le tour, donc j'ai pas besoin de faire un résultat ou vouloir un résultat. Moi, ça va être que du plaisir. Je suis venu ici en tant que surfeur qui représente Tahiti. Et non en tant que compétiteur en fait de la WSL. Maintenant on aura de très bonnes conditions annoncées, donc ça me motive encore plus. Ça fait un petit moment que j'ai pas surfé de belles vagues ici, surtout à Terre ou. Donc maintenant pour moi j'attends que ça. Depuis 2019, il s'est passé beaucoup de choses entre ta dernière participation ici à Jobs, il y a eu les JO, il y a eu ta blessure. Quelle est la différence entre Michel en 2019 et Michel en 2022? La différence depuis le Covid, hein, c'est que le fait de rester à Tahiti, ça m'a énormément fait du bien de pouvoir rester avec ma famille 24 heures sur 24 et pendant un très très long moment. Donc ça m'a un peu, fragilisé de mon côté sportif. Parce que voilà, j'ai plus envie de rester ici que de voyager.
Mais dans ma tête, ben, j'ai toujours envie de faire les JO. Et donc ça, c'est maintenant qu'on sait comment on va se faire la qualification, ben, j'ai mes objectifs bien en ligne. Et ben, j'essaie d'avancer comme ça, quoi, en fonction de mon corps, d'écouter mon corps et d'avancer en fonction de mes objectifs aussi en même temps. Mais sinon, en général, ça va bien. Tout le monde est en bonne santé dans ma famille, je suis en bonne santé quand même. Donc ça va, c'est le plus important. Dès sa première série, Kaouli Vast pose carte sur table. Son concurrent le plus sérieux, Tikanoui Smith. Mais surtout, les conditions sur le spot. Ça peut aider, surtout ici, quand c'est des conditions comme ça, dures, et ben, faut savoir jouer avec la priorité, faut savoir jouer avec le spot, l'océan. Mais voilà. Mais j'ai réussi à trouver deux bonnes vagues, donc je suis content. Même défi pour Matei Drolet, l'autre finaliste de ces trials. Celui-ci passe facilement les deux premiers tours. Il est vrai que ce ne sont pas les conditions auxquelles la passe de Havel vous avait habitué, mais il s'y était préparé. Des manœuvres que j'ai travaillé un peu, mais voilà, à Chopo, il n'y a pas que les tubes, il y a aussi de bons murs pour faire de bons carves. Et spécialement aujourd'hui, il faut essayer d'utiliser tout ce que tu as dans ton répertoire pour essayer d'avoir des petits scores ou des bons scores. Un panel que n'a pas pu étoffer Gilbert Théavé, ici en jaune. Mais qu'importe, le Benjamin de la compétition, opposé à Enrique Aritu et Armel Puyol, remporte ce deuxième round, un round qu'il a mené de bout en bout. Lui aussi ne retrouve pas le tiahoupo auquel il était habitué. Le jeune homme s'inclinera en quart de finale face à un certain Matei Drolet. Bon, il n'y a pas 4 mètres, mais voilà. Il y a quelques tubes et voilà, on fait avec ce qu'on a et c'est la compétition, quoi. Autre quart de finale palpitant, celui qui oppose Kaouli Vast à Tikanoui Smith. Ce dernier, malgré une vague notée à 9,17, ne s'imposera pas. Kaouli en vient à bout avec une première vague à 5,50 et une autre à 7,50. Ben là, je me sens plutôt bien. J'ai un peu mal à l'épaule et au tuyau parce que j'ai bien bouffe. Mais sinon, ça va. Je me mets bien au chaud et on se prépare pour la finale. Et la voici, cette finale. Kaouli lance les hostilités avec une vague notée à 7 points. Matei Drolet réplique avec 7 vagues à 5,67. Puis une deuxième à 5,53. Mais ce ne sera pas suffisant car Kaouli enchaîne aussi avec une vague à 6,10 et une autre à 6,57. Kaouli représentera Tahiti sur le main event avec Michel Bourrez et Vahine Fiero chez les dames. Voilà, c'est déjà la fin de cette page spéciale. Moi, j'ai profité un peu du bon temps de venir partager une session avec Vahine. Merci Vahine. Merci à vous. On vous donne rendez-vous à la prochaine page spéciale pour la prochaine page spéciale qui se déroulera au début de la compétition. Voilà, ça fait partie du jeu. Donc à bientôt, on vous donne rendez-vous la prochaine fois. Bye. Suivez la Tahiti Pro Te Ahupo avec Vinny.